Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour la partie 2 de Prototype 2. Donc on va enchaîner direct, hein. Je vais pas à chaque fois blablater. Ça marcherait mieux si je pouvais voir un peu plus loin. Donc là, comme je vous ai dit dans la partie 1, il va falloir qu'on traque des personnes. Donc le mieux avec ce sonar, c'est de se mettre en hauteur pour savoir précisément où se trouve ce fameux mec. Ou cette femme, hein, ça dépend. Donc l'un vient de là-bas, ici. Je sais pas comment je fais ça, mais putain j'assure. Putain, ils sortent bas là, c'est un truc de fou. Allez les gars, on se dépêche. Il est là ce boss. Il va être brutal pour Koenig s'il croit que Rooks n'est qu'un simple bureaucrate. Bon sang, lieutenant, même moi je pense pas ça. Mon ancien chef s'est battu avec le colonel après s'être murgé une nuit. Il est toujours à l'hosto. Il mange avec une batte. Il ne savait peut-être pas tenir sa langue. Comme vous, un peu de respect. Le colonel Rooks. Cet enfoiré a essayé de me faire cramer dans le labo. Voyons si je peux le retrouver. Quoique, je sais toujours pas comment ça marche, ce truc. Oh, merde. Lockfreeze, ici catapulte 2-4. J'attaque l'ennemi sur le pont. Là, le petit effet au ralenti. Bon, pour tous ceux qui demanderaient, si on tombe dans l'eau, en fait, on est éjecté directement. On meurt pas. On nous remet sur terre. Et ça me... Vous l'aurez bien compris, à chaque fois qu'on assimile une personne, déjà on prend son identité. Et pour tout jeu, je parle pour tous ceux qui n'auraient jamais joué à Prototype, qui savent pas ce que c'est le jeu aussi, ça se peut. Hein. Et... A chaque fois que vous assimilez une personne, c'est-à-dire la personne concernée, que vous recherchez, vous prenez ses souvenirs. Donc ça vous débloque, ça vous dit un petit peu, ça vous fait avancer dans l'histoire. Et tout le long du jeu, je pense que voilà, ça va être à peu près ça, hein, la traque, traquer les gens comme une bête. Oh, la petite baisse de framerate. Je dois trouver un certain Rooks. C'est lui qui a voulu me tuer dans le labo. Jess, le colonel Rooks est le commandant en chef des forces du Blackwatch à New York Zero. Ne faisons pas le poids. Écoutez le message que j'ai intercepté. Cottonmouth 4-1, ici Cottonmouth. Vous allez rejoindre le site de test Washington. Tenez-vous prêt pour une libération contrôlée. Vous avez entendu, James? Ces spécimens, ce sont des monstres, et ils les lâchent dans la ville. Voilà ce que fait le Blackwatch dans la zone jaune, James. Vous ne pouvez pas les arrêter. Je vais les arrêter. Et je vais retrouver Rooks, avec ou sans votre aide. J'avais pas capté en fait que la veste s'allumait rouge derrière. C'est pas vraiment ce qu'il est ça aussi. Des tags partout. L'image du jeu est... On charge les spécimens en ce moment même, terminé. Red Crown, ici l'équipe Alpha 1-1, leader. Alpha, Beta et Gamma en route. Vous me recevez? Alpha
Alpha 1-1, question. Les groupes de suppression sont en position? Tout est en place, Cottonmouth. Nos équipes sont prêtes à lâcher les spécimens. Bien reçu, 4-1. Allez-y. Équipe en position. Bien reçu. Opération Flytrap approuvée. Bien reçu, Red Crown. Saucissonnade alors. Allez. Merde. T'as pas marre de faire mal. Quelqu'un se bat contre le spécimen. C'est pas un civil, c'est notre putain de cobaye. Envoyez immédiatement une équipe de capture de jeunes tech. Oh les esquives là. Extra. Oh merde, le spécimen s'est fait avoir. Il s'est fait avoir. C'est là que ça devient intéressant. Ça devient intéressant. Libérez tous les spécimens! Il faut qu'on détourne l'attention du cobaye jusqu'à l'arrivée de l'équipe de capture! Lol, sans savoir, il a dit la même chose. Allez, mon pote! C'est le moment de sortir les griffes. Ils sont où? Voilà, me touche pas trop toi. L'équipe de capture est arrivée. À toutes les unités, concentrez le tir sur l'ennemi. Tirez sur la cible. Vas-y, une impulsion acérée. LT, ok. Oh my gosh. Ah putain, ouais. On va faire ça avec tout le monde, aller en tranche. Ce type a des griffes! Sonnez le coup, il est tout seul! Cottonmouth, à l'attaque! Oh, tchou, toi. Oh lol, c'est ça que j'aime trop dans ce jeu. Tu sautes, tu fais n'importe quoi, tu tranches des tirs. On a perdu la moitié de nos hommes, quels sont nos hommes? Restez en position et concentrez le tir. Mako 1, mettez vos véhicules en position et attaquez la cible prioritaire. Bien reçu, Cottonmouth. On passe à l'assaut, terminé. Ah oui, je vous ai pas dit aussi, dans le jeu, on peut récupérer des armes. Donc pour tout ce qui tank. Ici, Mako 1. C'est plus facile de le niquer avec un lance-rocket. Mettez fin à l'alerte, donc je ne vais pas me faire prier longtemps. Hein. La raclée que je leur ai mise devrait rassurer Berguera. Je suis une vieille avec un lance-roquette, quoi. Lol. Un lance-roquette, ciao. Je préfère garder mes griffes. Les sauts au début sont un peu ledge, hein. Vous allez voir que. Ça va beaucoup s'améliorer au fur et à mesure. Mon père. James, vous êtes allé au parc? Ouais. Et vous les avez arrêtés? Oh oui, ça je les ai arrêtés. Mon père, ça va? Suivez-moi, on a beaucoup à faire. Blackwatch a 10 000 soldats à New York Zero. Et qui sait ce que fabrique Gentech dans ses laboratoires? Nous devons les arrêter. Vous lui faites confiance? Je ne sais pas. Mais James, si Alex Mercer veut tuer tous ces sales types du Blackwatch et de Gentech jusqu'au dernier. Il a tout mon soutien. Et Dieu dans tout ça, vous pensez qu'il sera d'accord? J'en fais mon affaire. Bon, ben, le père Guerra s'avère que c'est...
C'est plus qu'un padre. Ah, ce qui m'intéresse le plus, les évolutions du jeu. Niveau 2, on va direct prendre déplacement, on va pas chercher à comprendre. J'améliore directement tous les déplacements, comme ça après, on verra pour la suite. Et la santé aussi, les deux premiers, les deux principaux. Mon père, où est-ce que je peux trouver Rooks? C'est classé top secret apparemment. Mais à l'époque, on piratait les terminaux BlackNet pour récupérer ce genre d'informations. Ces terminaux sont dans les camions avec les paraboles que vous avez dû voir. Je savais pas que vous étiez un rebelle. Vous faisiez quoi exactement avant d'être prêtre? Disons que j'ai dû me faire ôter quelques tatouages. Ok, je vois. Rebelle alors. Alors ça, je vous explique. Ces terminaux BlackNet, ces terminaux de BlackNet, c'est comme des missions secondaires, vous n'êtes pas obligé de les faire. Mais perso, moi je vous les conseille. Parce que sans ces missions, vous évoluerez moins. Donc je vous conseille fortement de les faire. Et par contre, je crois qu'il faut que j'assimile... Ouais, accès au fusil, il faut que j'assimile... Il est venu connu, mon pote. Je vous les conseille, pour comme ça vous évoluerez plus vite dans le jeu. Ça sera 10 fois mieux. Et vous aurez plus de pouvoir au bon moment, quoi. Ça vous donne énormément de points d'XP, quoi. Docteur Samuel. Très bien, j'ai un nom. Docteur Samuel Billingsley. Oui, il est responsable de recherche chez Gentech. Vous vous rapprochez de Rooks. Je vais essayer un truc. On va essayer de le traquer, le chacal. Bon, allez hop, on va vite. Ok, Samuel va recevoir une visite surprise. Déjà, c'est un petit peu mieux au niveau du saut. Il se trouve là-bas. Je vous remarque qu'au début, je galérais avec ce truc de sonar. J'avais rien compris au début. Maintenant que j'ai trouvé un petit peu le délire, on s'y fait vite. Ah, mais attendez, attends, je fais n'importe quoi là. Je cours sur tous les toits. Ah, il est là. Juste je parle que je vais plus vite et je fais n'importe quoi. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Je te vois, cogno. Salam. Sabrina, je ne vous attendais pas aujourd'hui. Je ne suis pas là pour bavarder. Vous deviez me remettre votre rapport hier. Vous n'avez pas eu mon mémo? J'attends de voir les effets sur la famille Suarez. Les parents sont en phase terminale, mais le virus a visiblement des effets intéressants sur les enfants. Ah oui, les enfants avec un cancer du foie au stade 4. Oui. Que voulez-vous dire? C'est vraiment des crasseux quand même, hein. Genre ils testent leur virus sur des enfants malades et tout. Billingsley était pas au courant pour Rooks, mais j'ai entendu parler d'un labo de Gentech qui ferait des expériences sur des civils. De nombreuses missions de capture et tests menées par Gentech sont supervisées par Rooks. C'est dans ce complexe que vous trouverez où il se cache. Ça commence à ressembler à une putain de chasse au Dahu. J'aime chasser. Quand tu sautes comme ça là. Bon, c'est pas encore impressionnant, mais vous verrez un peu plus tard dans le jeu. Il fait des bons des fois, c'est. Même là, il court pas trop vite. En mode planeur. Salut. Voilà.
Père Guerra, je suis dans le labo. Bon, écoutez-moi bien, James. Gentech et le Black Watch utilisent des systèmes de sécurité biométriques. Vous allez avoir du mal à entrer. Vous inquiétez pas, mon père. Je devrais y arriver. Donc... simulation. Porte d'entrée. Salut. Moi je vous préviens direct, moi je suis pas quelqu'un de bourrin, j'essaie de le faire le plus discret possible si je peux bien sûr. Donc le sonore vous allez le voir activé de longue. J'essaie de voir à chaque fois s'il est. C'est bon. Tu passes tes clés. Je préfère faire discret, après bien sûr on peut pas tout le temps le faire. Quoi, j'y arrive pas toujours. Chercheur en chef, Dr. Genovese. Accès autorisé. Regardez-moi ça. On s'est trouvé un VIP. Il va falloir que j'accède à cette pièce pour en apprendre plus sur Rooks. J'aimerais tous les assimiler en fait là. Assimilation furtive. Ah, elle va nous apprendre. Ah oui, c'est vrai, il y a encore du. Alors ça vous montre que lui est surveillé par lui. Du coup, c'est bon. Bien reçu, docteur. Ça devrait être possible. C'est bon. Échantillon standard. Oui, un échantillon aussi varié que possible en termes d'âge et d'origine ethnique. Mais pas de gros cette fois. Les cuves de confinement sont trop étroites. Alors il a fallu gazer les derniers. Ça marche, doc. On court un peu comme un gay. Hein. Comme un gay. Comme un payday. Comme dirait le tsar. Bon alors, il est traqué par tout le monde. J'aime bien t'assimiler les gens devant tout le monde. Il est traqué par qui? Qui te regarde, mec? Toi, je t'avais pas vu. Oh, toi tu reviens. Tu es traqué par qui toi? Ça va, ça va. Oh, je vais me faire griller. Tiens, moi, mon pote. Salut, ça va tranquille et toi? Je te casse la merde. Il savait rien. Utilisez ces identifiants sur un des ordinateurs. Vous trouverez peut-être Erux dans une base de données. Je sais plus c'est lequel. Ah, ça. Je suis devant l'ordi, sur quoi j'appuie? Tout d'abord, vous devez... J'appuie sur le bouton rouge. Et merde, l'écran déconne. Cette saloperie est foutue. Bien. Appuyez sur la touche Alt. A-L-T. Alt. Alt. Je vois pas de putain de Alt. J'ai une foutue touche avec une ligne ondulée, une autre avec un triangle dessus. Mais c'est quoi ce clavier de merde? James, calmez-vous. Il doit y avoir un bouton avec un carré bleu dessus. Ok, je préfère ça. J'affiche la base de données du personnel. Voilà, je le tiens. Pensez à vous déconnecter. Ouais, ouais. Le mec il a jamais touché un ordinateur de sa vie, pète un plomb. Le terminal 4 est connecté sans personnel présent. Retournez à votre poste et déconnectez-vous convenablement. Putain, je déteste les ordinateurs. Et là on va se tailler. Accès autorisé. Négatif. Qu'on se taille. Oh putain, il y a un mec, il faut que j'assimile là-bas. Les gros musclés comme ça, avec les muscles là-bas, je crois que c'est pour prendre des compétences. Ah, mais il est en dehors de la zone. Putain, j'ai pas envie de faire griller. Bon, allez. Reste là. Tu m'as pas vu sauter, tu m'as pas vu.
Ça me plaît, baby. Première mutation. Ne vous affolez pas, hein. Je suis sur PC, les gars. C'est pour ça que le... J'ai oublié de le signaler aussi dans la première vidéo. Je joue sur PC. La mort, portée d'attaque. C'est pour ça que je l'ai que depuis maintenant, depuis pas longtemps en fait, le jeu, vu qu'il vient de sortir à peine sur PC. Il est sorti 2 mois après qu'il soit sorti sur console. Donc des jeux comme ça, je préfère les jouer avec la manette. Même si je vous avoue que tout ce qui est FPS, je préfère 100 fois les jouer. En plus, je vais l'assimiler normal. Oulala, oulala, ça va mon pote, ça va. Voilà. Je suis un sniper. Non, je rigole. Non, mais ça, c'est des mecs, quand tu assimiles, ils te donnent des compétences, en fait. Donc, je vais pas cracher dessus. Là, il y en a un deuxième aussi, mais il est dans la base. Tu m'as pas vu. Toi non plus. Il est où? Ah, mais c'est une bête. Ah, mais c'est cool, ça. Je pense qu'on va tuer cette bête et on va se laisser sur ça. Donc je vais essayer de tirer dessus. Où tu vas? Voilà, ça je vous parlais du truc de locker. Non, me tuez pas. Salut. Voilà, j'ai même pas joué avec les griffes, je me suis déjà amélioré les compétences. C'est bon ça, maintenant je vais vite le tailler. Est-ce que je me suis mis dans la raquette? Saute mon gars, saute. Je vous conseille de pas trop attirer l'attention sur vous. Où tu vas toi? Toi aussi je te veux toi. Je crois que... M'en fous, vas-y prends-le. Non, je l'ai balancé. Non, quel con. Vous avez aussi des boîtes noires dans le jeu. Attendez, parce que là je me fais poursuivre, c'est pas bon pour ma gueule. Voilà, allez hop. Ni vu ni connu. J'ai mis les deux personnages en tension. Et de 1. Et de 2. Voilà. Donc vous avez des boîtes noires à chercher tout le long du jeu. C'est une sorte de... Elle est vers où? Elle doit être vers là, non? Une sorte de... Je sais pas comment je pourrais appeler ça, mais une boîte noire. Hein. Pas 10 millions de noms. Je vois pas où elle est. Ah, je crois savoir en fait, parce que ça est derrière le bâtiment. Ouais, voilà ça. Une boîte noire, c'est une boîte noire, hein. Pas de définition. Enregistrement. Ça. 255 jours plus tôt. Patterson, remuez-vous! Il vous colle au cul! Et merde. Ah, oh mon dieu, non, vous l'avez tué! Vous avez abattu l'un de vos hommes! Caporal, virez-moi ce civil d'ici. Voilà, ça vous en raconte un peu plus sur les gens qui sont dans la ville. Ce qui s'est passé 255 jours plus tôt, comme il disait. Et moi, je vais vous laisser sur ce magnifique paysage. On dirait un stade. Je vous dis à bientôt pour la partie 3. Et prenez soin de vous, excusez-moi. Et je vous dis à très très bientôt. Allez, peace tout le monde. Ciao, ciao.